Tout le monde, c'est Vintage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Pensez également au petit pouce bleu et bien sûr, tous rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique #AD dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait juste super plaisir. En majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Et bien sûr, bonne vidéo. Tu peux le voir, je fais cadeau sous Fortnite. Du coup, si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit une émote ou un skin, bah pour ça, c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, faudra juste penser au petit pouce bleu. Et bien sûr, code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Vraiment super important. Je te souhaite une bonne chance. Et bien sûr, on n'oublie pas de tous commenter votre pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Voilà, vous mettez bonne vidéo juste à côté votre pseudo Epic Games. C'était Fintech. Je te souhaite une bonne chance. C'est une bonne idée. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintech. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de glitch. Mais comme d'habitude, c'était nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, comme d'habitude, le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Ça va me faire vraiment super plaisir. Simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir tous des items du mode sous le monde dans le mode créatif. Alors, la première étape, vous allez lancer le mode créatif. Arrivé au lobby du mode créatif, vous allez vendre à une appareil et vous allez inscrire exactement le même code que moi. Une fois ce code là rentré, runesale, webpoint, item, props et glitch, vous allez accepter. Là, vous allez attendre l'apparition de la faille. Une fois que ça c'est fait, vous allez rentrer à l'intérieur. Et là, vous allez placer votre point. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner à l'accueil. Une fois que ça c'est fait, vous allez simplement aller vendre à une appareil pour créer votre heal. Du coup, comment je fais? Utiliser la console, créer une nouvelle heal. Et là, je vais sélectionner d'exemple la grille. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle heal. Moi, je sélectionne ça, je fais confirmer. Et là, j'attends l'apparition de la faille une fois que mon heal se crée. Une fois que mon heal s'est créé, je vais rentrer dedans. Et là, ce que vous allez faire, là, vous allez bien voir votre point toujours placé. Là, vous allez vous rendre à l'extrémité de la map, quoi. Du coup, comme moi. Et là, vous allez le placer, déconstruire exactement la même chose que moi. Vous allez vous rendre dans votre inventaire. Vous allez partir dans appareil, descendre tout en bas. Dans plaque d'apparition de joueur, placé maintenant. Du coup, là, vous allez placer votre plaque. Et là, c'est vraiment super important, vous allez placer votre plaque, que ça doit sortir aussi de la zone. Du coup, là, hop, je tourne bien vers le sens. Du coup, hop, je pousse un peu. Et là, normalement, bien fait. Comme on peut bien voir là, ça dépasse un peu. Du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez partir. Et là, vous allez lancer le jeu, lancement de la partie. Et normalement, vous devez spawn comme moi dans la vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous avancer un peu. Et là, vous allez partir dans mon île. Là, vous allez faire arrêter la partie. Victoire. Là, vous allez faire retourner sur mon île. Et là, tout simplement, vous allez avoir votre téléphone. Une fois que vous êtes bugué comme moi avec votre téléphone, du coup, simplement, vous pouvez bien voir que je peux tout modifier. Là, vous êtes simplement partir au point que vous avez placé à 1600 mètres, comme dans la vidéo. C'est vraiment super important de ne pas rentrer dans le cercle de votre île. Une fois que vous êtes arrivé à côté de l'île du glitch, là, vous allez commencer à sortir votre téléphone. Là, vous allez copier tous les items que vous voulez. Du coup, là, vraiment tous les items que vous voulez. Le champignon de Midas, je les sélectionne aussi. C'est vraiment super important de ne pas traverser ici la ligne. Une fois que vous allez sélectionner tous les items que vous voulez, comme vous pouvez voir, d'ailleurs là j'ai sélectionné pas mal d'items, vous allez simplement faire retourner à l'accueil. Et là vous allez vous rendre dans votre île que vous avez créé.
Et là, je suis ouvert le téléphone et là, vous pouvez voir tous les items que j'ai pris juste avant. Ils sont tous là. Et du coup, là, voilà, vous pouvez voir vraiment des îles glitchées, des îles, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment incroyable. Même le minibus du Battle Royale. Voilà, j'ai sélectionné vraiment pas mal d'items. Alors, du coup, dites-moi vos avis sur ce petit glitch. Il est vraiment assez sympa. On peut mettre vraiment pas mal d'items qui ne sont pas normalement accessibles dans le mode créatif. C'était Fintex. En espérant vraiment que cette vidéo de glitch vous a plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube Code Créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde.